C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ce genre d'affiche qu'on aime le foot. Si vous aimez le spectacle, vous n'allez pas être déçus. Ce soir, l'ambiance est exceptionnelle. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateur pour vous faire vivre ce match. Direction la Belgique pour ce rendez-vous de Pro League. Et c'est une magnifique fête qui s'annonce pour tout le monde ici. Et encore un nouveau match à vous proposer. Mais un match de football, ce n'est jamais pareil. Le suspense toujours garanti. Oh non, le centre est trop enlevé. Occasion ratée. Et voici donc le 11 qui va démarrer. 4-5 ans offensif. Ou aussi le 4-2-3 avec double pivot devant la défense et 4 joueurs offensifs. C'est le schéma pour avoir la possession du ballon. Voilà la compo officielle. Composition assez offensive avec ce 4-5-1 ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des numéros de téléphone. Ah, bien sûr qu'il y a faute. C'est donc un coup franc. Premier but dans ce derby, autour de nous, ambiance de folie, le stade est en transe. Le placement, l'intention, l'exécution, tout est parfait dans cette action. Ça a l'air simple, et la simplicité c'est ça, c'est rendre les choses simples. Au tableau d'affichage. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Oh, il y a une bonne occasion là. Péno, c'est un pénalty accordé et peut-être l'occasion de se relancer dans ce match. Et c'est un jaune, ils ont frôlé l'exclusion sur cette faute. Et ça rentre, très bien frappé ce pénalty. Ça c'est joli, on s'attend toujours un ballon près du poteau dans la lucarne. Mais on oublie que statistiquement, c'est au milieu qu'on a le plus de chances de marquer un pénalty. C'est très bien joué. Ah, le score de parité est donc un partout. Oui, c'est un bon ballon, ça. Attention. Oui, la parade. Et encore un arrêt du gardien. Thorsteinsson. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Et le concentre là, peut-être. Le coup franc est accordé. Parce que l'arbitre a vu la faute. Zivkovic. Et peut-être l'occasion de marquer. Non, on ne peut rien faire avec ça. Tu veux marquer, tu finis par faire un cadeau. C'est pas très festif tout ça. Très bonne parade qui vient sauver le nul sur cette action.
à la perte de balle. Et bonne séquence, ballon en retrait. Ouais, superbe défense. Et bonne couverture du ballon. Bon positionnement. Le ballon est récupéré dans le camp adverse. L'occasion de prendre l'avantage. Et oui, but! Voilà, toutes les passes sont là. Il y a la passe de production, la passe de conservation, la passe de déséquilibre, la passe inattendue. Et ça finit en but. Après toute l'attention accumulée, c'est un but qui vaut très cher. Il le sait, le coach. Regardez sa réaction. Quelle image! Coup franc, faute signalée par l'arbitre. Et pourquoi pas une contre-attaque là ? Très bon timing sur cette interception. Ouais, c'est propre, sans faute. Et ballon en profondeur. Ballon sur le poteau, ça continue. Une bonne transversale pour renverser le jeu. Nous aurons donc droit à 2 minutes de jeu en plus. Et les voilà en possession du ballon. Zivkovic. Oh, c'est un bon ballon ça. Ouais, bel arrêt, mais ce n'est pas fini. La mi-temps qui est donc sifflée par l'arbitre à l'instant. Et c'est bien parti hein, pour l'équipe qui joue à l'extérieur avec cet avantage à la peau. Même si pour l'instant l'écart n'est qu'est d'un but, ils ont toujours beaucoup de potentiel. Et oui, être la meilleure attaque de la compétition, ça donne beaucoup de confiance. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période, donné à l'instant. Transversal pour bouger la défense adverse. Excellent timing sur cette interception. Il y a du soutien en attaque. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Et oui, c'est au fond des filets. Ce but, donc, leur permet de revenir dans ce match. On la revoit, cette balle, elle est touchée par le gardien, mais ça ne suffit pas à l'empêcher de rentrer dans le but. Sa réaction sur le banc, elle veut dire beaucoup de choses. Ah, le jeu reprend et le score est donc maintenant de 2 buts partout. Vertonghen. Mann. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Ah, et dans les tribunes, on attend un tir. Trajectoire bien coupée en pleine surface. Ah, depuis le temps qu'on en parle, ça semblait inévitable. Son transfert vient d'être confirmé officiellement. Et voilà, fin de la telenovela, tout le monde s'est mis d'accord. Il va pouvoir enfin se préparer avec son nouveau entraîneur et ses nouveaux coéquipiers.
et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Attention pour mener au score peut-être. Bonne intervention pour éloigner le danger. Un corner peut-être pour prendre l'avantage. Il y avait quoi être content, c'est normal. Après une telle parade, c'est un miracle cette histoire. Ballon dans la surface. Excellent marquage de la défense. Cette tête est sans danger. Grosse colère du coach après cette occasion manquée. Et voilà, le changement s'effectue. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Et bien joué dans la profondeur. Un tir bien placé, ça frôle le montant. Peut-être une occasion à venir là-dessus. Bon pressing, très bonne récupération. À une occasion en or. Ah, sacrée intervention, le ballon est perdu. Ah, le bloc est reculé pour inviter l'adversaire à laisser des espaces. Plus trop de calculs dans ces dernières minutes, l'équipe qui marque aura une grande chance de s'imposer. Ouais, quelle interception, il fallait intervenir. Ah, devant le but, il faut frapper. Carlen Sarcus, ça peut être une situation intéressante là. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Excellente intervention, ça sort en touche. Arrêt de jeu et donc l'entraîneur effectue un changement. Et attention à cette frappe. Et oui, le voilà, le but de la victoire dans ce match contre le rival éternel. Un but qui enflamme le stade. Quel scénario! On revoit le but, plutôt le missile qui vient d'être envoyé dans les filets adverses. Et ce qui attire l'attention, c'est le bruit du ballon qui tape dans le filet. Ah, c'est un petit but avec une grande importance car il donne une avance qui pourrait être définitive à l'autre équipe maintenant de tout faire pour revenir.
Bien sûr que l'arbitre signale la faute, le coup franc à suivre. Ah, le bon réflexe là. Et avec le peu de temps qui reste, ce corner est une occasion en or pour revenir au score. Vers le point de pénalty. Voilà qui est bien défendu, c'est bien joué. Et oui, il y a la place pour un bon centre. La fin de ce match, on va donc en rester là pour cette rencontre. C'est une défaite pour l'équipe en déplacement. La qualité offensive habituelle de cette équipe ne lui a pas permis de combler son retard aujourd'hui. La défaite est courte, mais juste. Je suis avec l'entraîneur qui accepte gentiment de répondre à nos questions. Voilà, encore merci à vous pour votre disponibilité.